be stuck. Ou pas rouler non là. Ni question faut poser ou qu'a une réponse. Ou non salle de classe pour faire parler avec ou bien besoin parler avec ou coller ou timide ou pas qu'a dire rien parce que pas connait poser. Comment tu as poser question ça comment tu as poser question. It's really simple. Follow me. Si me besoin dit professeur là comment ou prononcer ça. Par exemple un mot mais on bagaille ou dit wake moi écrit ou bien on quasi teacher how can I pronounce this? We have to be pronounce, prononcer, pronounce. Teacher, how do you pronounce that? Mais l'on dit that là ou montrer bagaille là. Teacher, how can I pronounce that? Ou montrer. Mais s'il prend m'a dit how can I pronounce this? M'a dit that, m'a dit that là, m'a placé le par this. Je dis, how can I pronounce this? Comment je prononce ça? Vous avez dit comment je prononce ça? Comment appeler le mot? Vous voyez. How do you spell? Spell. How do you spell the word? How do you spell the word book? Vous dites moi, parce que vous avez écrit. Teacher, how do you spell the word book? Ok, book, it's spelled B-O-O-K. Parce qu'on a l'alphabet, on a bien compris ça aujourd'hui. B-O-O-K. Pour que j'allais spell book, ok? How do you spell the word book, teacher? B-O-O-K. B-O-O-K. Pour que j'allais appeler moi. Au cas du professeur, qui sa mot ça avait dit? Qui sa mot ça avait dit? What does this word mean? What does this word mean? Awful. For example, on mola. Well, we say awful. For example, we say awful. Ou pas kon sa le di ou di teacher. What does this word mean? Après ça, on montre moi parce qu'on dit this word. Okay? Et do awful means something that is very bad. Very bad. It's awful. Est-ce que oui? L'al définit pour vous. Il faut que ça le veut dire. Could you repeat, please? Vous avez dit ça awful à vous dire. Et vous ne comprenez pas. You don't understand. You don't get it. Et vous dites, teacher, could you repeat, please? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Could you repeat, please? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est même gentil. Ou ka professeur dans salle de classe, ou petit moun répéter. Could you repeat please class? Est-ce qu'on va répéter s'il vous plaît? Et puis place ça vous dit. Mais dans sens ça, il veut dire on parle en monito là, ou pas comprendre, ou pas attendre, ou dire could you repeat please? You don't hear what someone has just said? You just say could you repeat please? Est-ce qu'on va répéter s'il vous plaît? M'pas attendre bien. I don't hear. I can't hear you well. M'pas attendre. Pas qu'attendre ou bien, mais soit on dit vous pas attendre ou bien, ou on dit I don't hear you well. I can't, on n'est pas capable. I can't hear. Entendez. I can't hear you well. Pas qu'attendre ou bien. I can't hear you clearly. Pas qu'attendre ou clair. Ouais, moi pas qu'attendre ou bien. Ok? Could you speak more slowly, please? Moi n'a parlé à eux. Comment c'est parler rapide, rapide? Mais on parle très rapide. Et vous dites, sorry, could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? Est-ce qu'on peut parler moins rapide? On parle rapide. Ou pas qu'à comprendre. You can't hear. Et puis, ou pas qu'à attendre. You can't even understand. Ou pas qu'à même comprendre. So, dit, could you speak more slowly, please? Ou qu'à parler moins rapide, s'il vous plaît? Et vous n'avez pas les moins rapides, la facilité au temps de c'est la dire. Mais vous pouvez niveau, passer de quoi? Please, say that again. Say that again. Say that. Please, say that again. S'il vous plaît, dis ça encore. Vous avez dit un bagage? Teacher, please, say that again. Say that again. Dis ça encore. Say, dear. Say that again. Say that again. Dis ça encore. Vous parlez trop rapide. You speak too fast. You speak too fast. Vous parlez trop rapide. Vous parlez trop rapide.
Teacher, you speak too fast. Calm down. Speak more slowly. Parle muy rápido. I don't get you. The same thing. Pá, comprando um passezinho. I don't get you. Do you get me? O que é um passezinho? No, teacher, I don't get you. No, I don't. I don't get you. I want you to get me. Mwen vle ou sezi, mwen vle ou kompren mwen. Get sa nan sens, di ge obtuni, mwen nan sens sa alve di kompren. Di ge pize sens, men la pale de to get ou ka kompren di ge. I don't get you. Mwen pa kompren nou. I don't get you. Would you mind starting over, please? Would you mind starting over, please? Basi over, di o, over. Would you mind starting over, please? Sa va deranje ou pou recommencer pou mwen? Ou bon ka di, eske sa va deranje ou pou répéter pou mwen? Would you mind repeating over, please? That's good. Merci tout moun. Donc nou fini avec première partie ça. Pa bliye, ça c'est cours anglais qui fait online sur website. Ça ou bien ou aller sur Play Store. Ou download application accès anglais tout partout. Merci à tout le monde qui apprend classe ça. Nous remercions en pile, nous espérons que vous apprendre et aller faire tout exercice, prendre notes, étudier, travailler, pratiquer dans le club que nous gagnons et dans la pratique que nous faisons sur Zoom, tiens à ce que vous présent. Mettez un petit argent tout petit et payez pour une classe là, l'aider ou même ou apprendre parler anglais. Merci. See you next.